On se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit avec mon Dixit révélation numéro 7. Et je l'ai dit sans bugger. Je suis trop fière de moi. Il ne faut pas grand-chose. Alors, euh, qu'est-ce que le Dixit Alors, d'abord, je voulais revenir sur la semaine dernière, euh, la carte qu'on a eue. Parce qu'en fait, je, je me rends compte que vous ne voyez pas tellement. Euh, sur les cartes, il y a énormément. Euh, S'il si veut bien me faire le point, il y a énormément de dorures. Vous voyez euh, voilà. Et en fait, euh, bah, ma vieille imprimante, pratiquement sur toutes les cartes, hein, mais ma vieille imprimante, elle ne, ne prend pas euh, les dorures en compte. Elle, elle, elle les met en marron, quoi. Voilà. Hein, euh, quand je scanne, et du coup, je vais essayer. Enfin, quand je fais une photo, c'est jamais très net. Et quand je scanne, c'est bien net. Par contre, enfin, euh, je trouve, mais par contre, euh, ça manque de. Bah, en fait on voit pas forcément la, la luminosité euh, les, les dorures les choses comme ça donc je vais essayer de la prendre en photo avec mon appareil photo avec lequel je filme euh, on va voir si c'est mieux si c'est mieux maintenant on fera comme ça parce que c'est vrai que la semaine dernière la carte paraissait sombre alors qu'elle était je vous la montrer euh, je vais essayer de vous montrer les dorures euh, alors ouais elles sont pas flagrantes flagrantes parce qu'en fait c'est vraiment des petits traits vous voyez c'est vraiment des petits traits dans l'eau en fait, hein. euh, c'est pas flagrant, flagrant, mais bon, ça y était quand même, quoi. Mais ça s'est pas forcément vu. Donc, bon, je vais essayer de le prendre en photo maintenant. Euh... Peut-être que ce sera mieux. Voilà, alors qu'est-ce que le Dixit Le Dixit est un jeu de société où il s'agit de créer des histoires avec des images sans texte. Mais on peut aussi en faire un exercice d'intuition, chose que j'ai vue sur la chaîne de Solveig, mon ami Solveig. Ah, il y en a plusieurs ont sauté, donc non là, ça fait beaucoup. Euh, et moi, j'adore les exercices d'intuition, donc je sais qu'elle ne le fait plus, mais moi, euh, je le fais parce que j'adore ça, en fait. Eh bien, nous en avons une. Que voici. Je vous la mets là. Alors, euh... elle est rigolote. J'aime bien les enfants qui dorment. J'aime bien les enfants qui dorment. On a l'impression que c'est elle qui éjecte de sa bouche. On dirait que les oiseaux sortent de sa bouche et que cet hérisson cage vient les enfermer dans la cage euh, et en même temps les rissons cage il les posé sur sa tête est-ce qu'on n'a pas tout simplement euh, retenu nos rêves retenu nos aspirations retenu ce que on aimerait mettre en place dans notre vie euh... L'enfant qui dort, ça me fait penser à la rêverie, en fait. La rêverie euh, euh, dans toute son intensité, en fait. Un enfant qui dort, euh, je sais pas si... Enfin, oui, tous ceux qui ont des enfants savent, hein, et on a tous été enfants. Quand on est enfant, on peut s'endormir partout, on peut nous porter pendant qu'on dort, ça ne nous réveillera pas, on se demandera comment on est arrivé dans notre lit. <laughs> et... Euh... Ça me fait penser à ça. En fait, la, les rêveries qui sont au fond de nous, pas forcément les rêves qu'on avait enfant, mais plutôt la rêverie qu'il y a au fond de nous, euh, la rêverie profonde, en fait, hein, ce que l'on admet même pas nous... vraiment, en fait. Hein. Euh... C'est comme si en fait on s'auto-limitait. Moi, j'ai l'impression que le hérisson, en fait, c'est une part de nous, euh, parce que ses pattes sont de la même couleur que les cheveux, pratiquement. Et j'ai l'impression que c'est une part de nous que l'on sort et qui chope ce que l'on a vraiment au fond de nous, ce que ce à quoi on aspire vraiment et qu'il l'enferme dans la cage pour euh, peut-être pour les garder, pour les protéger mais aussi peut-être pour les empêcher de se concrétiser, de se matérialiser, de, de prendre son envol. Peut-être qu'on s'auto-limite. Moi ça me fait penser à l'autolimitation de nos rêves en fait, de nous de ce à quoi on aspire vraiment comme si euh, non, c'était pas possible. Le hérisson ça me fait penser à la raison, vous voyez. Euh, et encore, est-ce vraiment un hérisson Je ne pense pas. On a l'impression que c'est plutôt un petit être qui porte une forme de... de... non, c'est pas un hérisson. C'est un être avec des pieds, euh... des pieds bizarres, euh, qui est accroupi. Et qui essaye, enfin, qui prend avec son filet les oiseaux pour les mettre dans la cage qu'il porte sur le dos. Mais en fait, ça fait penser à, à, à une part de nous un peu tyrannique qui nous empêcherait de nous épanouir, en fait, hein, en nous disant, cette part de nous, vous savez, cette petite voix euh, qui nous dit, euh, non, tu arriveras pas. Non, mais en fait, c'est pas pour toi. Non, mais toi, t'es pas suffisamment. Tu vois. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai l'impression. Peut-être qu'on de nous demande à travers cette carte de prendre conscience de cette part de nous, en fait. Et que peut-être cet oiseau qui prend son envol, peut-être que celui-ci, on devrait le laisser aller. Peut-être que celui-ci, on le devrait laisser voler, aller jusqu'au bout, justement, de nos rêves. En tout cas, de celui-là. Euh... Ne pas laisser cette part tyrannique de nous nous empêcher de concrétiser, de matérialiser et si ça n'a pas fonctionné une fois, deux fois, trois fois et même quatre fois, cinq fois, six fois, peut-être qu'il faut persévérer d'une autre manière parce que persévérer ça ne veut pas dire refaire éternellement les mêmes erreurs parce que non, je persévère et je vais y arriver comme ça. Non, ça veut dire être malin et se dire bah si ça n'a pas fonctionné comme ça, peut-être que comme si ça fonctionnerait peut-être. Voilà. Je ne sais pas ce à quoi vous fera penser cette carte, mais moi, ça me fait penser à ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve lundi, demain, pour la question du lundi. Salut